Ok, cette foutue suite. Dans la fichtre taverne, hein. Putain, La ouais. taverne des particuliers, comme on l'aurait dit. Oh, le tavernier. Qu'est-ce qu'il faut faire ici, putain? Ah oui, d'accord. Ah! Fichtre. Complètement dans la gasse. Grenade dans son gueule, hein, directement. Je rigole même pas avec cette fichtre. C'est abusé comme c'est chaud à les niquer. Ils ont un bouclier de la mort là, c'est. Ça va péter! Ouais, il n'y a que vraiment Elgado, t'arrives, tu t'envoies du steak, quoi. Hein. Allez. Tu prends quand même quelques dégâts, mais au final. Mais t'as utilisé plus de 130 balles. Ouais, mais au final, t'as le dernier mot. Ouais. Ah, c'est ça aussi, hein. Faut de la recharge. Il est extrêmement mal Delgado là. Pourquoi ils vont dans les coins? Pour sécuriser peut-être? Certainement. Le gigantisme en son royaume à lui, hein. À ciel ouvert comme Jaja. C'était pour que sa bedaine passe tranquille partout. T'es marre? Oh. Je dirais qu'il a une césarienne, le machin. Mais c'est horrible! Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est de l'autre côté? Où il y a une arène de la mort? Ouh là là! Ah bah là, il faut prendre Black. Là, c'est elle. Il n'y a pas de. Oh! Dans le bouclier axe. Bien joué. Il sait que tu le regardes, hein. Ah putain, il est au courant, hein. Moi, je tirais une petite balle fantôme par audace. Tu l'as eu. Nickel. Sur lui dans le fiacre, là, quand il Tiens, est regarde, je l'ai eu comme ça même. Ah ouais. Ah ouais, dès qu'il sort un casquelier, le moindre centimètre de tête que je peux attraper, je prends. Du moment que je peux t'embarquer un morceau de la caboche, je suis preneur. Ah oui. Waouh, l'autre il jette. Il est sérieux lui ou quoi? Il avait déjà remis le... Il t'a vu tirer au loin. Merde! On a une pipe à bois, charge-moi tout ce que tu peux charger dans ce merdier. Oh! J'ai appuyé, mais. Oh ouais, mais charge-le ton pétarium! Les mecs, ils sont à la lance. T'as du mal à venir à bout, quoi. Ah, toi, t'as toute une artillerie. Ouais. Télécharge les ravitaillements, quoi. Il repop comme Jaja, hein. Ah ouais. Oh là. T'as pas un autre chemin?
Non, non. Ah, t'es obligé. Voilà. Menace éliminée. Faut que je prenne Jones pour me posséder là-bas, non? Merde. Chef, quels sont les ordres? Il n'y a rien de l'autre côté. Nada que Chihuahua. T'as pas tout bien exploré à droite, à gauche. Hein. Mm-hmm. Bon, moi je vais naître derrière la statue, ouais. Ok? Je suis avec toi, Billy. Faut pousser ces merdes-là, peut-être avec. Ah non. Parce que là, c'est définitivement mort. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Il y a un pont là qui sort, t'as vu? Juste là. Qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? T'as pas été voir, à gauche. Là-bas? Ouais, là. À droite, là. De l'autre côté, le chemin de gauche me semble bien. Ah, cette gauche là, t'étais dedans. La gauche là? Mmh. Attends, laquelle gauche? Là, là. Tout droit? Ouais. C'est de la convient? C'est de la convient, ma gueule. Mmh. Quand est-ce qu'on va s'amuser? Attends, je reviens sur mes pas ou pas? Je suis avec toi, Billy. Le chemin de gauche m'a l'air ok. J'ai pas l'impression, je sais pas, c'est bizarre. Ça se ressemble en tout cas, c'est. C'est pas vraiment clair ça, hein. Si, tu viens de là. T'en es sûr? Ouais. Vraiment sûr, hein? Ouais. Ah oui! Oh! Ah oui, c'est là où on a battu le gros porc. Bon, ok. Alors ici, il y a que dalle, là c'est fermé. De toute façon, on était obligé de prendre la fameuse escalier. Il n'y a pas le choix. Tu penses pouvoir rejoindre l'autre côté? Le chemin de gauche m'a l'air sûr. Tout simplement, en fait, ils m'attendent devant. Enfin, ils m'attendent devant. Ils me donnent une information sous-jacente. C'est à gauche direct. Quel chemin de gauche, en fait? Là, il y a une grille ouverte et puis tu fais le tu contournes tout simplement. Church requise. Oh. Tout simplement. Tu penses pouvoir rejoindre l'autre côté? Le chemin de gauche m'a l'air sûr. D'accord. T'as vu ses pieds, elle a des sabots? Ouais, elle était en... Ouais, c'était vraiment, vraiment de pas de très mauvais goût. Oh putain. Le mécanisme au sol a l'air sûr. Les marques au sol nous indiquent de monter dessus. Reste à savoir si on peut leur faire confiance. Monsieur. Va donc te faire une pisse. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ici? J'ai refoué un boulon là-dedans. Ouais, un Valdon, hein, immédiatement. Alpha, allez-y. C'est parti. Putain, mais... Comment je leur dis de monter là-dessus, là? Attendez ici. À vos ordres. Bon. C'est sûr que d'une manière ou d'une autre, il faut que j'arrive à positionner l'un de l'équipe sur la pierre sous-jacente de l'autre côté, hein. Clairement. C'est une malédiction de la mort. Intéressant. Je crois que ces dalles au sol actionnent le mécanisme. Bah, fous-toi dessus, mon con, alors. Putain, mais ça active un mécanisme, oui ou non?
gars. Allez-y. Bien reçu. On y va. J'y vais. On doit se séparer et se poster sur une dalle. Ben ouais, mais poste-toi, la putain de tarasse. Ah non, la dalle, elle est carrément là. Oh là là. Allez au point de passage. Bah voilà. Oh là là. Les mecs, ils sont durs de la feuille, comme Jaja. Avançons. Putain, mais faut... Ah oui, d'accord, voilà. Ouh là là. Ah là là, les jardins sont ornés de fontaines et de statues, ce qui rend l'endroit magnifique. Mais avec une touche de sadisme que Vicus appréciait au-dessus de tout. Qu'est-ce que t'as été virevolté? J'ai même pas compris. Ah, t'as été refaire un petit... Ah oui, une valdonnerie, oui, je... tout à fait. Tout à fait, j'avais à fait, totalement monsieur. Oublié, monsieur. Et je crois que celle-là, elle est quasi parfaite, mec. Du premier coup? Ouais. Ah, je l'entends ruisseler à l'intérieur, elle est... Oh, elle est fuselée, hein. Ah putain, elle enjaille, hein. Elgado, ah putain, ce Elgado de la mare. Si monsieur veut bien... Bah moi, j'ai, faut que je me roule un pollen en même temps. Si monsieur veut bien y jeter une languinette. Mmh. Attends, merci. Oula. Excuse-moi, je croyais que c'était un mec sur un cheval, j'allais dire. Hein. Sérieusement? Regarde l'endroit des orgies, des mecs accrochés partout. Ah, oh, c'est chaud. Oui, parce qu'il disait qu'en fait, Victus Pictus, en gros, son délire, c'était ça. C'était en fait les endroits majestueux, mais toujours avec une touche de sadisme, en fait. Et il kiffait ça par-dessus tout. Ah, oh, putain. Regarde les mecs en cage, en torture, en train de mourir comme ça. Juste pour divertir la galerie, divertir les gens. C'est ça. C'est malade, hein. T'aimes à lui. Mort assis comme ça, puis oh là là. Fais voir celui-ci. Ah bah ouais. Bien empalé comme il faut. Puis t'as de la gerbe de sang à une hauteur. Tu te dis, mais ils ont saigné les mecs, ils les ont jetés en l'air ou quoi? Ah, tu les vois avec les seaux de sang carrément. Tu as arrosé les murs et tout. Ah ouais. Oh là là. Je vais me faire une petite clopinette parce que c'est vraiment de mauvais augure, monsieur. Oh, c'est sale en tout cas. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce merdier? Le mec est à ciel ouvert, il est au calme. Hein. C'est ça. Venez jouer avec nous. Oh là là. Oh, le mec, il est chaud à buter, quoi. C'est chaud. Hein. C'est l'heure du repas. T'as vu? Je t'avais dit. Il nourrit son bestiau, en fait, comme ça, lui. Parce que le pacte qu'il a fait avec le feu, c'est qu'il peut maîtriser le bordel du feu, mais en échange, il faut qu'il nourrisse le démon, quoi, tu vois. C'est très, 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 très louche. Oh là là. Eh, mais la lance, ma gueule, il te la jette, on dirait un fusil à pompe. S'il te plaît.
Ah, c'est abusé. Plusieurs cibles repérées. En même temps, là, je pense qu'on touche au dernier niveau, tu vois, enfin, dans les... Et vers la fin, là. Tu penses ? J'ai un cadeau pour toi. Je pense qu'on n'est pas très loin, là. J'en ai aucune foutre idée, ma gueule. C'est ce que tu attendais ! Il fait trop mal. Et le truc du feu à gauche, là, c'est quoi ce délire-là ? Ça le crame aussi, ou... C'est ta barrière de ouf, là. Ah, c'est juste une barrière, en fait. Oh, regarde ma gueule, je crois qu'il est là le Picusitus. Oh, dans d'une chair, regarde la chair ici. Oh, c'est la dégueulasserie. C'est, hein. C'est d'un moche, mais en vêtu, en voilà quoi. Théma. Oh là là. Il est pour moi. Oh, je te le laisse. Moi, pas question que je m'approche de lui. Et qu'est-ce donc que cela ? Vous avez amené les sorcières aussi, hein ? Oh, quel honneur ! Donc, elle se déplace, t'as vu ça ? Ah, c'est dingue ! Aux deux sexes. Chef, regardez le sol, comment il est construit. Comment ça ? Voulez-vous ? C'est un piège ! Non ! Ah ouais, il en a... Il a quelques petites ruses dans sa hotte. Ah ouais, derrière des bourrelets, mon gars. Ah, comme jaja. Je sors des ruses. Tiens, n'hésite pas à lire cela ça. Cela fait des milliers d'années que Vicus se baigne dans son orgie de sexe, de nourriture et de sang. Oh. Et il n'a aucune envie que cela se termine. Il va tout faire pour arrêter ceux qui doivent fermer la brèche. Ah ouais. Et mettre fin à son appétit. Putain, infernal. En fait, c'est vraiment lui, quoi. Il est cylindrique, le bordel. Ah ouais, 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 ouais. Oh. Il est cylindrique, horrible, comme Jaja, du coup, celui-là. Il envoie du cylindre. C'est fou. Oh. C'est tout à fait vrai, ma gueule. Oh là là. Petit, il dévalait des rues entières pour passer tout sous son passage. Ah ouais, il demandait à ses potes, poussez-moi. Ah ouais. Regarde cette chaise de torture. Oh putain. Putain, et le mec, il était équipé en saloperie. Hein. Théma, une arène, mec. Oh. Dans son temple, avec tout le monde. Ouais, il est méga fat, là. Ça va être chaud. Nous sommes venus vous libérer de cette prison. Laissez-nous partir pour accomplir notre mission et mettre fin à votre cauchemar. Votre cauchemar à tous. Me libérer de quoi parles-tu? Nous avons fondé l'Elysium, non? Nous avons libre droit de tuer, de baiser et de nous enlever sans conséquence ici. Nous ne sommes pas prisonniers. C'est le summum de la liberté. Et vous, mes chers visiteurs, vous allez nous divertir. Les yeux sont ouverts.
Ah ouais, toi t'arrives direct avec la charpilleuse. Ah ouais, ma gueule. Les jeux sont ouverts. Oh là là, ça va être la scène, tu sais, complètement pétage de plomb, où faut buter... abus complet, quoi. Des vagues et des vagues incessantes. Eh ben, bon courage, mon loulou. Ah putain, je ne te le fais pas dire. Oh là là, sans le coup, tu vas t'amuser, mais comme un petit fou, là. C'est vraiment... Il a ramené toute l'artillerie, mon gars. Pollen. Tu tirais sur des grands pollens là-bas, je te voyais. Bien vu, l'aveugle. Oh là là. Si j'en mets une là, tu crois que je peux les bugger ou pas? Oh, je peux les bugger, mec. Bien, ouais. Ah là, ils sont plus loin. Un sort. Faut que j'aille là. Les doigts dans le nez, hein. Putain, nickel. Je l'ai pas bien mis, putain. Ravitaillement en route. Putain, il en envoie tant qu'il peut, du coup, hein. Mmh. Oh là là. Son flingue à elle, il se vide extrêmement vite, hein, par contre. Ah ouais, et puis il est pas très efficace sur le coup. Et l'autre, il se met où? De l'autre côté, là-bas? Ouais, tu peux passer de l'autre côté. Allez au point de passage. Je suis en chemin, chef. D'accord, c'est fiché comme ça, donc au moins tu vas avoir une sauvegarde, je pense. Placez-vous sur une dalle. Bah, moi j'en suis sur une dalle, mais l'autre dalle est où? Elle est bien là. Ouais. C'est bon, ils ont suivi. Ouais, ouais, mais non, mais moi, faut que j'aille là. Ah non? Bah si. C'est chelou puisqu'il en faut absolument un là. D'accord. C'est censé ouvrir ça, non? Séparez-vous et placez-vous sur une dalle. Ok, donc il y a une troisième dalle tout simplement. J'ai mis un groupe sur chaque dalle et moi il me manque une dalle. La gauche, là, gauche, gauche. Retraverse le pont, il n'y avait pas un truc, non? Non. Ouais, bah putain. Cette musique en jaillante. Je ravitaille. Prends le contrôle, attends. Si, si. Bon, il se passe rien par contre. Hein. Bah, dégage de là. Tout simplement. Ça se trouve, il y a une quatrième dalle. Non, je pense que ça y est, là. Tous les dalliers, on les a fait. Traverse donc, là-bas, là. Je te dis, il y a peut-être un autre dallier, moi, qui traîne. Ah ouais. Un petit de derrière les fagots. Non, regarde l'eau. Faut juste aller là. Bah ouais, mais alors, pourquoi le dallier? C'est bon, tu l'as.
qu'il l'a. Charge. Putain, je voulais faire mon sort, sa mère. Ah, c'est bon. Pétain, pétain. Oh putain. Plus que Jaja. Ah ouais. Non. C'est à vous couper le souffle. Ah, oh, il y a de la saloperie, en veux-tu, en voilà. Oh, c'est pas content ça, hein. Delgado. Ouais, il est vénère sinon. Ouah, attends. Waouh. Dans son dos encore. C'est quoi cette abomination? Il est cheaté le monde. Essaye de tirer avec le sniper. Mais il a un casque, t'as vu? Ouais. Donc putain, c'est chaud quoi. Ranime tes potos. Oh là là. Mouchier? Ah non. Et il est pris avec le sort? Non, non. Ah, non. Il est d'une mocheté, hein. Ah, voilà. Putain. Il s'accroche, hein. Je dois avoir un ange gardien. Encore un. Faut juste le tirer dans le citronnier, quoi. Exactement. Faut l'allumer le plus possible. Du coup, Delgado, pour ça, elle est de bonne augure. Mais carrément. Boucle temporelle activée. Je nettoie la zone. Ah, pas mal. Ça va péter. Delgado est en course. Il est chaud, hein. Tu devrais te soigner. Détoile la zone. J'ai besoin de munitions. Il est à terre. Grenade lancée. Détoile la zone. Arrête le temps. Ça va péter. Grenade lancée. C'est bon. Putain, lourd. C'est quoi ça? Tout ce qu'elle a, elle? Ouais, t'as trop de trucs. C'est, il y a écrit en dessous. Détonation à distance, impact. 2 secondes. Ah, ouais, c'est fraction. Et là, c'est à proximité. Ah ouais. C'est lourd. Ça tue grave, ouais. Ah, ça s'est ouvert là, j'y vais là-dedans comme Jaja. Hein. Ah bah vas-y. Je m'en tape de sauver le monde. Je veux juste rentrer chez moi. C'est oh, tellement putain. Vrai. Je m'en tape de sauver le monde. Elle a tellement, tellement tout dit. Putain de pétain. On rebrouche chemin, hein. J'ai envie de dire, va sur ton chemin, mon enfant. Bah ouais, mais là, c'est... Ah, mais non, faut se rapprocher de là, j'imagine. Ouais. Doucement, les mecs. Je sens un truc bizarre. Encore un comme ça.
Ah bah toi, mon grand, je vais m'occuper de toi personnellement. Et ça me fait plaisir. Je lui ai déjà ouvert le dos, t'as vu? Ouais, bien wesh. On te sort vite de là. Il est où, Delgado? Merde! Bon, c'est pas grave, du moment que ça envoie du bois, c'est bon. Merde, il faut absolument que j'aille la réanimer. En fait, il en faut un devant, un derrière, quoi. C'est ça. C'est juste ça, la technique. Tu l'enchaînes le truc, hein. Putain, j'ai pris le zicou de main, hein. Mais il est déjà archi monstrueux comme ça. Il est déjà bien assez monstrueux, ma gueule, hein. Ah ouais, je ouais. Pense que là... Putain, regarde-moi ce... Il est bidonnant. Mmh. Laisse tomber l'histoire. Putain, ma petite gueule. Allez. Je vais me faire un grand pollen. Tu as bien raison. Parce que tu vois les trucs roulés là-bas. La section Jéricho a vaincu les esclaves de Vicus et va bientôt mettre fin au règne insatiable du gouverneur. Oh. T'entends comment ça hurle dans les couloirs? Putain. Regarde à gauche, je crois qu'il y a un bail de torture. Il y a un torturier. Ah oh là là. C'est de mauvaise augure, hein. Mais t'as vu ça? Oh là là. Comme Jaja. C'est dégueulasse. À souhait. Qu'est-ce qu'on fout là? Wow. Ah, il se suspend, lui. Ah, puis il crache du sang, t'as vu ça? Faut quand il ouvre, en fait, faut que tu tires, je pense. Ouais. Ou alors faut que tu casses les chaînes au-dessus de lui qu'il tienne. J'en sais rien. C'est de mauvaise augure. Dans tout point, c'est de mauvaise augure. Le mec, il se suspend, t'as vu ça? Oh là là. Tire là-haut dans le chenier. Ça devient rouge ou pas quand tu vises les chaînes au-dessus? Comme Jaja. Vise les chaînes pour voir au-dessus. Si ça devient rouge ou pas, juste par curiosité. Tu vois, c'est rouge là. Hein. Je me demande si tu peux pas le faire tomber avant de commencer à lui causer des dégâts comme ça. Déjà, je vais m'occuper de l'autre. Ouais. Ouais, qu'elle casse-couille comme jamais. T'as réussi? Je sais pas. Ça en avait tout le bruit, hein. Non, je pense pas.
Putain, il est ballant, lui. Le gros, là? Ah ouais, le gros porc. Là, j'ai des trucs de sang dégueulasses. En plus, tu sais comment il s'appelle? Tu saurais le dire, son nom? Invictus, je sais pas quoi, là. Cassius. Cassius, l'anus. Invictus. Hein. Je me suis fait un grand pollen. Merci, monsieur. Non, il y a une subtilité en fait ici. Il y a une subtilité. Que quelqu'un aille voir Cole. Plaque est touchée. J'ai besoin de munitions, Cole. J'étais où? Ravitaillement en route. Comment il arrive? Comment il tournait? Ah ouais. Dans son meilleur élan. Je vais aller chauffer ce gras. Oh, t'as bien raison. Les munitions arrivent. Tous à besoin d'aide. Mec, si tu savais ce que je viens de voir. Munitions. Attention où tu tires. Hey mec, j'ai réussi. On est bon. Je l'ai eu. Je crois que la brèche se trouve dans les abysses en dessous. Il y a des alignements qui sortent du corps de Vicus. Laissez-moi faire, je vais dégager le gros port. Il fallait tirer dans le bide et tout, mais là j'ai pas compris ce qu'il fallait faire. Fallait juste lui tirer dessus en fait. Ouais, mais là ils ont dit un truc que j'ai pas trop suivi et du coup je suis câblot comme un connard. Faut pas prendre possession de lui avec Jones? Non, je crois pas. Tirer sur ses chaînes pour le faire tomber. Tiens, regarde, il y a un truc plus gris là. Je sais pas, on dirait qu'il y a une boule grise sur la chaîne, c'est bizarre. Tire à fond là-dedans, bats les couilles.
Dans le truc au-dessus rouge, en fait. Ouais, enfin, dans toute cette merde. Oh, c'est bizarre. Attends, tu peux le faire bouger en tirant dessus? Parce qu'imagine, il y a une énigme, faut le faire bouger sur le rail. Non. Tu sais comment ça le bouge? C'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Hein. C'est ce qu'on appelle un grec de bonne famille. Ouais. Carrément. Ah, il est tellement de bonne famille. Non, je sais vraiment pas ce qu'il faut faire, là, ça me gave. Faut pas. Ah, parce que c'est une pièce fermée. Il y a quelque chose à faire avec lui. Oh bah putain. Ça se trouve, c'est tout con en plus, tu vois. Parce que tu vois, c'est bien rouge là, hein. Quand tu fais la balle en plus. C'est bizarre, hein. Ah, avec la télékinésie. Prends Black, la snipeuse. Et essaye la télékinésie quand t'es à côté de lui, pour voir si ça le fait bouger sur le rail. Ah bah oui. Tout simplement. Non. Je l'emmènerai où? Bah vas-y, fais tourner pour le moment. Mets-le au milieu maintenant. Tu peux pas l'envoyer au milieu? Non. C'est mystique! Qu'est-ce qu'il faut faire avec ce gros porc? Putain, ça me rend ouf. Ça doit être un truc tout con en plus. Voilà. Voilà, simplement. Et maintenant, on y va? On n'a pas le choix. Ce doit être le dernier niveau du Pixis. Les Anglais ont dit qu'on allait passer trois niveaux avant de trouver le premier nez. La question est, jusqu'où va nous mener la brèche cette fois? On ferait mieux d'y aller. Putain de merde. Ah, parce qu'ils disent qu'il y a trois autres niveaux, du coup. Non, il y en a trois, là, ça serait le dernier niveau. Ah ouais. Non, on a déjà descendu deux. C'est à toi de lire. C'est l'époque où les sept prêtres sumériens ont contenu le premier-né pour la première fois. C'est l'origine de tout. La source du mal. Regarde ce que t'as débloqué, gouverneur Picus. Tout puissant.
Victus. C'est magnifique. Où est le reste? C'est Lynch, regardez! Il est arrivé avant nous! Vite! Ils avaient pas popé, putain. Les voilà! Je fais des rites de sang, moi. Dirais-je faire un rite de sang, wesh. Des rites de feu. Je te dois un chandelier. Au suivant. Oh là là, les recettes de Madame Loïc, hein. Oh là là. Ça sera sûrement le truc que je sortirai à un moment donné. Ouais, ouais. D'une manière ou d'une autre. Non. Dans tous les cas, monsieur. Ah, c'est inévitable. Vas-y, mais soignez-vous entre vous à un moment donné, non ? Ah ouais, c'est pénible, hein. Je suis censé faire de la charpie avec ça, je m'amuse à faire médecin c'est relou, sans frontières, hein. Mon gars. Enfin, là, pour le coup, c'est avec frontières. Ouais. Ouais, bah ouais. T'as plutôt intérêt. Sinon, je te botte le cul, moi. Les scènes de combat comme ça, elles sont longues, en plus, hein. Bonjour, mes chers frères et sœurs. Vous êtes les bienvenus ici. Qui est là? Montrez-vous! Je suis Antadurunu, le fondateur de votre confrérie. J'attends depuis des millénaires d'offrir mon savoir, afin que vous pansiez la blessure et bannissiez cette abomination de notre monde. Vous savez pourquoi nous sommes ici? On nous a envoyés pour fermer la brèche. Oui, tout comme les prêtres de ce temple. La grande prêtresse Eresh Kigal s'est laissée séduire par le premier-né dans ses rêves. Et a enseigné les rites de sang qui ont tout qui n'en finit plus, quoi. Elle a mené une armée de dizaines de n'importe quoi à travers le désert de la cité d'Our pour ériger ce temple. Et quand sa construction a été finie, à tous massacrés. Tandis que leur sang coulait sur les marches du temple, la brèche s'est ouverte et le premier-né est réapparu sur la terre. Mais nous, sept, nous nous étions infiltrés dans son arbre dans le Pic 6. Qu'est-il arrivé aux autres? Ils se sont tous perdus. Furieuse de notre trahison, Eresh Kigal a libéré le pouvoir du premier-né sur nous et a transformé les autres en démons qui la protègent de. Je suis le seul à avoir pu m'échapper pour fermer la brèche et sceller le Pic 6. Je savais que mon sang ne durerait pas éternellement, aussi avec mes dernières... Tu sors de chez toi, t'es swag, hein. Pire. Oh. Ok, on va chercher la banane, t'as vu. Il y a un mec, il est comme ça, il prêche bizarrement devant chez toi, tu l'évites, tu vois. Jericho. C'est l'un des noms donnés à notre ordre depuis des millénaires. Mais bien que le nom change, le devoir sacré, votre devoir reste le même. Vous devez fermer la brèche. Sinon, le premier-né se vengera de l'humanité. Comment faire? Les démons qui gardent le temple ont tous volé une partie de moi. Tuez-les et reconstituez-moi. Le gars qui se déplace d'une façon incertaine. Et que le monde soit de nouveau en sécurité. Jusqu'à la prochaine fois. Nous.
Nous suivrons vos ordres. Nous ne pouvons plus reculer. Ne bougez plus. Bah, ça requinque son homme, hein. C'est ouf. Tu vois, le troisième, je le mangeais easy, là. Ah ouais? Facilement. Oh là là! C'est une mauvaise augure tout ça. Ah hein. Putain, moi je peux me rallumer un pollen, du coup c'est impeccable. Ah bah oui. Regardez les murs, je vois pas de mortaise. Oh, c'est quoi ce délire? T'as pas de lampe? Non. On a été happé. Jéricho a disparu. Sans ses hommes, Ross se retrouve seul. S'il veut ressusciter Atadourmou, il va devoir trouver les urnes qui contiennent les cendres. Mais il doit d'abord trouver un corps comme Chacha. Ah là là. Je vais vous faire du mal, Chapa. Au secours, hein. Au secours, quoi. Ah, mais aidez-moi à un moment donné. Quittez cette chaîne, quoi, tout de suite. Ross, je suis là. Je déteste quand tu fais ça. Ok, il n'y a que Black. Oh, ils sont chauds. Ah ouais. Mouchier. Mouche direct. Oh. Mouche. Ah ouais, mouchelier. T'as pas le choix, tu te le prends en pleine tronche, quoi. Tiens, je vais reprendre une lampée de... Tu sais que j'ai envie d'aller chercher directement les ports salut et compagnie. Ah ouais. Ouais, carrément, ouais. Ah bah, si t'es déter... Si t'as une détermination après ça, pollen. Non, non. Pas après, maintenant, parce que justement, après, je suis là avec bon, écoute, des grands problèmes. Tu m'envoies tellement ravi que je vais torcher ce niveau. Ah, comment on fait pour remotiver une troupe, hein? Ah. Mec, une balle, deux têtes. Je déteste quand tu fais ça. Thank you.
passage, Abby. Abby, tu m'entends? C'est Jones. Pas de panique, j'ai bientôt fini. Mec, t'aurais vu comment j'ai torché ça, tu reverras sur la vidéo, tu vas kiffer. J'ai fait une balle de sniper, j'ai fait deux têtes directes dès le départ, mon gars, j'ai refait comme ça après. Deux têtes. Et t'es passé sec. Je suis passé sec. En tout cas, j'ai ramené plein de bonnes choses. Tout un tas de bonnes choses, quoi. Donc c'est la baguette d'Auchan qu'on devait manger hier. Hein. Oula, oui. Bah, au final, ça va, figure-toi. Ah, mauvaise langue. Tu vois, ouais. Comme quoi. Des fois, il faut mieux fermer sa gueule, hein. Monsieur. Je suis tellement dans un labyrinthe, par contre, là. Ah, tu me dis si tu veux que je repasse en octopade. Oh, t'inquiète pas. Oh, je m'inquiète pas. J'ai trouvé la solution. Ce viscère, l'odeur qu'il doit y avoir, hein. Ah non, mais là, je retourne sans mes pas, me semble-t-il. Ben oui. C'est mes pas, ça, ou j'hallucine? Oh. Si, j'ai arrivé par là. J'ai arrivé par là. Oui. C'est quoi ce bâtiment de ouf? J'avoue, l'architecture, elle est dingue, hein. Tu te perds facile, hein. Non, mais là, on retourne carrément sur nos pas. Ouais, c'est ce que je te dis. Ouais. Il faut bien que t'avances et... Mais là, je suis reparti trop loin, mon gars, je suis complètement perdu. Non, je vais t'indiquer. Là, tu passes dans la grande porte. À gauche, après, voilà. Ouais, là, c'est bon, je reconnais. Et alors là, est-ce que c'est à droite ou à gauche? Je n'en ai aucune idée, faut fouiller. Loupiote. Tout de suite, monsieur. J'ai entendu ton doigt sauter d'un bouton à l'autre d'une manière espiègle. Toujours. J'y vais dans l'espièglerie, moi. Tu connais? Attends ma gueule. Fin de l'épisode, on se retrouve tout de suite sur un mouchelier en plus. Sur un mouchier. A tout de suite pour la suite de Jericho. Ciao les amis.